Et bonjour à toutes et à tous, c'est Thierry, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre carrière, la World League Management sur FM 17 avec Le Mans. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui, allez, trois petits matchs, on avance dans la saison. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre deux depuis ce match face à la réserve de Paris? Alors on a commencé par battre Plabennec 4 buts à 2, Saint-Malo de partout, mais les buteurs alors, Thierry, de Roire, Créant et Vincent, un petit doublé, hein, pourquoi pas. Après, contre Saint-Malo, de partout, on a un peu fait les cons, on aurait pu gagner ce match, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Rémi Jousse, qui met un doublé pour eux, crée un Douglas pour nous. Et là, on s'est vengé sur Drancy, on leur a mis la rouste. 6 à 2, Vasseur, Mara, De Roire sur penalty, Douglas le doublé, crée un, pour un but de Rouen et Alioudia. Bien, du coup, aujourd'hui on va commencer comme prévu par la réserve de Nantes, Cholet et Trélizac. Enfin, je crois, normalement c'était ça. Et puis après, bon, on sautera ces deux-là et on finira en beauté les trois derniers matchs de la saison. Bref, premier match de l'épisode face à la réserve de Nantes. La réserve de Nantes qui est juste derrière nous à un point. Nous, on est pour l'instant champion puisqu'on est protégé jusqu'à la 7ème place par les réserves. Donc, bon, on va pas dire non plus qu'on va pas jouer le match, mais on est un petit peu plus tranquille, mais ça serait quand même bien de gagner. Hein, quand même, j'espère qu'on va gagner ce match. C'est assez important. Du coup, oui, Daske is back. Voilà, voilà. Garbo, machin, bidule, chouette. Ouais, bah c'est bon. Allez, bah on est parti. Let's go pour ce match à la maison en plus. Bon. On verra bien ce que ça va donner, hein. Quand même, les 3 points, tout ça, hein, j'espère, quand même, ça serait bien. Me demande bien ce que Nantes va nous envoyer comme joueur, puisque... Bon, après, ça veut rien dire, hein. Il peut y avoir des joueurs de première, d'équipe première, mais bon. Comme Arastigueta, Gilet, Guillaume Gilet en milieu défensif, ouais, ça fait 2. Moins B, oui. Ouais, Maxime Dupé, ouais, attention, bon, ça va, c'est pas l'énorme équipe, mais attention, ça peut faire la différence, donc soyons attentifs, et surtout, ben, c'est parti, hein, écoutez, pour ce match à la maison en plus, allez, c'est bien, ça, Nkoussou pour commencer, De Roire, tranquille, voilà, voilà, on fait tourner, bon, allez, comment va-t-on négocier ce match, allez, Vasseur De Roire. Oh, le bon ballon. Ah, dommage, c'était pour Douglas, mais il n'a pas pu l'avoir. Aleg. Le bon ballon pour Aristigueta tout seul. Et pff, bah, d'accord. Voilà. Aristigueta, l'ouverture du score. D'accord. Ok. Non, c'est surtout l'arrêt de. Enfin, la tentative d'arrêt de Mensa qui m'a fait rigoler. Parce que le mec, il est là, il fait ouais, je veux la. Non. Ah, énorme. Excellent. Quel début de match flamboyant. Magnifique. Il me demande plein de trucs dessus, mais c'est pas grave. Bah, en plus, on est. Ouais, non, mais je sais pas. On a égalité au niveau des stats, mais je sais pas. Rien n'y fait. Là, cette première mi-temps, on a pas joué. Voilà, on a tout simplement pas joué, hein, autant le dire. On a tenu le ballon, apparemment, mais. Ouais, c'est cool de tenir le ballon. Mais faut peut-être frapper au but et marquer. C'est plus important, ça, c'est pratique, c'est très utile. Vous allez dire, je pense que, enfin, vous êtes d'accord avec moi, hein. Normalement, le plus important, c'est quand même marquer, hein, je pense. Pourquoi pas, Vardin, ah, donc, alors, on a 65%, comment on peut pas marquer avec ça? On a tout ce qu'il faut pour... Allez, tranquille. Douglas. Ouais, bonne bataille. Bien joué, Créant. Nkoussou. De Roire, Douglas. Oh, c'était du beau jeu. Ça, c'est magnifique. Belle action. Et Douglas à la conclusion. Son 14e but de la saison. Bravo. Ah, du beau foot. Créant. Nkoussou. Voilà, en deux touches. Une touche pour De Roire. Contrôle de Douglas. La frappe. Dupé était dessus. Mais c'est dedans quand même. Bien. Et ben voilà. On concrétise enfin. Ce qu'on sait faire, Vincent. Oh, on va quand même, on va peut-être doubler la mise. Ouais. Oh, bien joué. Ça, c'était beau, ça aussi. Bien joué, Créant.
12e but de Vincent Créa, hein. Pas mal, hein. Ah, ça c'était bien, ça c'était pas mal non plus. Douglas sur le côté. Le centre instantané de Vincent. Deuxième poteau pour Créa, hein, qui était quand même marqué par, par Moutou, on va l'appeler Moutou. Et ben, il l'a pas bien marqué, puisque du coup, on double la mise, on repasse devant. C'est très bien. Allez, Vincent. Et la faute! Oula! L'équipe de Nantes, la réserve de Nantes qui pète un plomb. Elle est en train de déjouer. Et du coup, on nous offre un penalty frappé par De Roar. Est-ce qu'on va passer à 3 buts à 1? Eh oui, tout à fait, bien joué De Roar. Le penalty est très bien tiré. Dupé était un peu en retard, j'ai l'impression, sur son intervention. Le ballon était déjà parti. Ouais, il a un petit peu. Ouais, on va dire, il a pas bien fait sa tentative d'arrêt. Mais bon, ça, on s'en fout, hein, tant pis, tant mieux pour nous. Changement de défenseur, je suis jamais pour. Mais bon, il est un peu fatigué. Puis Doumbia fait des bons matchs en ce moment. Ici. Bah, en fait, ça a l'air d'aller devant. Donc pour l'instant, on va rien toucher. On va laisser, hein, allons-y, hein, partons comme ça. Allez, attention. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, hein, d'une surprise de la réserve de Nantes, donc soyons attentifs. Attention, Aristi Guetta. Bo. Bro. Bro. Oh, Zekovic, pardon. Zekovic, pas Zekovic. Zekovic. Bon. On va demander à ce. Non, pas être créatif. Bordel, merci la souris. Concentrez-vous, voilà. Allez. Oh, on a le ballon, on le repère, bro. Bro qui cherche Zekovic. Zekovic qui passe. Le centre de Zekovic. Allez, ça va être repoussé par Vincent. Plein axe, c'est pour Douglas. Bien vu. De Roar. De Roar pour Nkoussou. Ah, dommage, Nkoussou, deuxième tentative. Ça passe cette fois. Créer un, le centre. Attention, la perte de balle, la frappe et le but d'Nkoussou. Ah, il a joué le coup jusqu'au bout, Dimitri Nkoussou. Bien joué. Bien joué, bonhomme. Il est allé jusqu'au bout de l'action. Il a bien fait. Le ballon repoussé. Mal repris par Bro. Et là, Nkoussou qui contrôle, qui frappe. Bien joué. Le 4 buts à 1. Ah, on s'est bien réveillé dans ce match qui était mal parti pour nous. Et on finit en fanfare même. Oh, le long ballon pour Douglas. L'équipe de la réserve de Nantes n'y est plus du tout. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On en profite, hein. On essaye de marquer le plus possible. Non. C'est vrai qu'on a Jack Dom. Alors, on va faire entrer Dom à la place de De Roar qui a fait un excellent match. Bravo, De Roar. On va faire entrer le petit anglais. Jack Dom. Pour qu'il s'acclimate un petit peu à la France. Parce que là, il a pas fait le petit voyage, hein. Il s'est pas arrêté dans le nord de la France, non, il est descendu jusque dans la Sarthe. Donc il faut le temps qu'il se fasse avec la ville du Mans. Et oui, fini le pudding aux 4 heures et le thé avec les petits gâteaux. Hop là, attention, pas fini, créé un, oh, il est passé. Hop là, attention. Oh, bien joué, ça c'est magnifique. Vincent qui marque sur la première passe, on pourrait dire décisive de Don. Est-ce qu'elle va lui être donnée? On ne sait pas. Mais c'était très bien joué. Don qui a, hop là, en pivot, a donné à Vincent. Frappe instantanée, donc normalement, oui, hein. Et oui, passe D pour Jack Don, voilà. Bien joué, Jack Don. Jackie Jack qui nous a mis, donc il me semble, sa première passe D, hein, sous ses nouvelles couleurs. Voilà, vous voyez, il est déjà décisif. Et la victoire, 5 buts à 1. Flamboyante victoire. On avait mal commencé ce match, mais on a fini en mode missile, hein, Ah oui, là, on a très très bien fini ce match. On voit que la réserve de Paris a mis un 4-0 aussi à Plabennec. Après, c'est des petits scores. Drancy qui s'est réveillé, 3 buts à 1. Bon, bah voilà. Excellent. Et normalement, sauf si je me trompe, hein, Jack Dunn, c'était sa première passe D. Hein. Jack Dunn, oui, c'est ça, première passe décisive, tout à fait, en 5 matchs. Voilà. Et bah écoute, bienvenue, hein, monsieur, qui était donc un joueur de Liverpool.
à la base. Donc voilà. C'est bien, c'est bien. Écoute, bah, bienvenue à toi, hein. Je me rappelle plus, il était totalement libre quand je l'ai pris celui-là. Ouais, Jack Dunn, ouais, libre. Il était totalement libre, un ancien joueur de Liverpool. Bon, bah écoutez, les amis, nous on se retrouve comme prévu pour le match suivant, celui de Cholet. Bien, donc nous revoilà pour le deuxième match face à Cholet. Actuellement 11e du championnat, nous on est remonté 3e grâce à notre victoire flamboyante face à Nantes, 5-1. Donc on nous revoilà pour la suite. Pour ce match, alors on a Ndenguila qui nous a demandé de jouer, donc on va le faire jouer, Ndenguila, et puis on le fera sortir s'il fait de la merde, bien évidemment. Pour remettre notre ami Stephen Vincent qui fait une excellente saison pour le moment. Bref, pas de changement pour le reste. On est parti, let's go. Vous voyez que pour la saison prochaine, admettons qu'on nous montions carrément en national, on aura beaucoup de changements à faire, je pense, au milieu de terrain. Parce que là, le milieu de terrain, c'est limite, mais en national, ça sera totalement dépassé. Donc il faudra qu'on fasse de gros, gros changements en milieu de terrain pour la saison prochaine. Bon, on n'y est pas encore. C'est parti. Donc, pour ce match, le deuxième match face à Cholet. Beau stade hein, pour Cholet. Pas mal, ça va. Hein, ils s'embêtent pas trop. Allez, Mensah, Mara. La défense tranquillement. Long ballon. Ah, c'est dommage. Hein, c'était bien tenté, mais trop trop loin. Kissamba. Farina pour Eke. Farina. Farina tout seul. Et heureusement qu'il n'a pas pu donner ce ballon. Allez. Début de match. Pour l'instant, c'est kiff-kiff. On tient le ballon, comme d'hab. Hein. Je pense que c'est la compo qui fait ça. Hein. La tactique fait que on tient beaucoup le ballon. Oh, pourquoi pas De Roar. Pour Vardin. Vardin. Le centre pour Douglas. Non. Dommage, un peu trop dévissé sa tête à Douglas. Allez, pas grave. On a réagi. Match serré pour l'instant. Un peu de concentration. Parce qu'on n'a pas cadré. Hein. Allez, Farina. Long ballon pour Eke. Eke qui repique dans l'axe. Eke. Et la frappe. Et encore une fois, Mensah, hein, tranquille. Eke, j'ai l'impression que c'est un joueur perso. Parce qu'il aurait pu donner le ballon à son coéquipier. Mais heureusement, il l'a pas fait. Il a voulu tenter la frappe tout seul. Heureusement. Première mi-temps compliqué. On n'arrive pas à cadrer. Je vais gueuler un peu. Parce qu'on cadre pas. On a beau frapper 6 fois comme l'adversaire, mais on n'a pas cadré une seule frappe. Ça, c'est pas normal. Allez, on repart pour le deuxième round. Non, pas de nouvelle consigne. Peut-être quand même tacler Eke, parce qu'il a souvent le ballon, ce Eke. Pas un grand match hein, de la part de Douglas. On va essayer de bouger un petit peu tout le monde, là. Demandez-en plus. C'est pas un grand match. Hein. Nkoussou fatigué. On va faire. J'ai oublié de mettre un milieu central, c'est pas grave. Jack Dunn peut le faire. Y a pas de souci. On va juste changer son rôle parce que ça a pas l'air de lui plaire. Ouais, non, c'est pas du tout son truc. Non, carrément, pardon. On oublie. Bah, pas de changement de milieu de terrain. Stéphane Vincent va remplacer Denguila, hein, qui veut jouer mais qui fait de la merde. De Roar a l'air. Bon, on va faire rentrer Dunn. Allez. Un peu de sang frais. En attaque et en milieu de terrain. Enfin, milieu de terrain offensif plutôt. On va plutôt dire même carrément l'attaque. Allez, Vincent et Jack Dunn. Est-ce qu'ils vont pouvoir aider leurs camarades à aller jusqu'au bout de ce match et gagner? Vincent. Ah, dommage. Parera. Il va pouvoir dégager. Voilà. C'est pour nous. Merci. C'est gentil, Jack Dunn. Pour Vincent, Vardin, pardon. Oula, j'ai confondu les deux. Vardin. Vardin. Et il attend, il attend. Eh bien joué, Vincent. Vardin de nouveau, le centre. La frappe de Jack Dunn. Et le coaching payant pour l'instant. Jack Dunn qui rentre et qui marque son premier but. Après sa première passe D, c'est son premier but aujourd'hui sur ce match. Eh bah ben, dis donc. Il montre de bonnes choses, ce Jack Dunn. Là, il a carrément. Oh, il a envoyé sur orbite le défenseur qui était à son marquage. Il l'a déposé. Et puis il ouvre le score au bon moment. Et du coup, ce coaching payant se transforme en coaching gagnant.
Voilà, on a fait entrer Jack Dunn, et ben on gagne grâce à lui, et grâce à une passe des deux Vardins, la victoire 1-0. Ouais, c'est pas joli joli, hein. On n'a pas vu non plus un grand match. Pardon, Vardin, excuse-moi, oh là là, t'es trop fort, t'es le meilleur du monde. Oh là là, je suis satisfait de votre travail défensif, voilà, ouais, c'est bon. Le coach hypocrite. Non mais bon, voilà, c'est pas flamboyant, regardez, Lorient réserve quand même 5-1, hop la Bennec. Allez. C'est là, depuis quelques temps, Plabennec, c'est un grand massacre. Granville 4-0. Et du coup, cette victoire bah, nous permet pour l'instant de conserver et de bien se mettre bien en deuxième position. Devant, c'est à 50-50, les deux, hein, les deux réserves de Rennes et Paris. Donc pourquoi pas, on verra bien pour le troisième match hein, face à Trélizac. Donc bah, écoutez, bah, à tout de suite pour le match face à Trélizac. Et nous revoilà donc pour le dernier match à domicile face à Trélizac. Alors dernier match de l'épisode, bien évidemment, bien entendu. Alors on a donc pour ce match, oula, ouais quand même, Daske et Afidi suspendu. Ça c'est moins bien. Bon. Alors on va faire jouer donc bah, Boutantin hein, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment. Et en défense, et ben c'est Moussa Doumbia hein, donc qui prend le relais. Sur le banc, on va faire monter Papa Kébé, parce que Ibou Kébé, si c'est... Désolé, mais voilà. Alors donc... voilà, je regarde, oui. Kébé, ouais, qui c'est un... qui donc va avoir besoin de lui, hein, parce que buteur au cas où si Douglas se blesse. Ou alors on mettrait quelqu'un d'autre. Ouais non 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 ouais donc Kébé non non bon en fait c'est je sais pas c'est Kébé qui j'ai l'impression qu'il y avait un ouais, il s'était plaint bah en fait non j'avais confondu avec un joueur en réserve c'est pas grave. Qui s'était plaint, joueur en réserve, bon c'est pas grave. Bon, on le met quand même parce qu'au cas où, ouais, c'est vrai que si Douglas se blesse, on est un peu dans la merde niveau buteur. Allez, c'est donc parti pour ce match très important face à Trélizac. Et oui, parce qu'on peut, en cas de boulette des deux devant, on peut passer devant, justement. Ça tombe sous le sens, bravo. Allez, Trélizac qui part à l'attaque. Chez la... Oula, oula, Boutantin, non, 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 tu reviens pour te prendre un rouge, non, mais t'es vraiment un connard, hein. Désolé de dire ça, mais c'est vraiment un connard. Super, du coup, moi, je fais comment? Ouais, vu que... Hey. Bah écoutez, Nkoussou, tu... Écoute, pour l'instant, tu vas te démerder, et puis si ça prend l'eau, ben... Bah, on verra, hein, écoute, hein, on fera en sorte. Allez, Deroire. Allez Douglas, eh bien. Sous craint, de Roar, oh, ça joue bien. Dommage, ça méritait d'aller dedans. Ah dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Allez. Et le renvoi du gardien, c'est pour... C'était quoi ce blaze? J'ai pas le temps de lire. Bon. Passeur. Allez, de Roar. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer à 10 contre 11. Passeur Douglas! Oh, dommage, c'est pas possible. Aïe, 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 bordel. Pas de bol, hein. Attention. Oh, la tentative, non, c'est raté. Mais Trisa qui n'a même pas attaqué pour l'instant, tant mieux. Ça a l'air de bien se passer à 10 comme ça pour le moment, donc on va rien toucher. Même si devant. Ah, mince, Rennes qui prend le large. Créen s'est blessé. Une blessure à une main. Bah il peut courir, c'est bon, il court pas sur ses mains. Bourgo. Bien Deroire, allez. Long ballon pour Douglas qui est parti. Douglas tout seul pour l'instant. Il y va. Douglas, oh, c'est magnifique. Bravo Douglas. Le 15e but du Brésilien. Ah, il y est allé tout seul. Sur ce long ballon de Deroire. Il va repiquer dans l'axe un peu à la Robben. Là, bah là, c'est plutôt le côté à la Ribéry. Mais c'est ça, hein, c'est un peu la spéciale Robben, mais inversée. Bien joué. 1-0 avant la mi-temps. Peut-être un deuxième. Vasseur le centre. Oh, bien joué. Merci Camissoko.
qui marque contre son camp sur une tentative de frappe. Je pense que c'est Créen parce que c'est lui qui a le petit signe blessé. Ah, même pas, c'est même pas, il a même pas touché le ballon. C'est carrément sur le centre. Le défenseur s'est loupé, hein, si vous avez pu le voir. 2-0, mi-temps normalement, elle va être sifflée. Encore 30 secondes, hein, longue mi-temps. Attention, dégagement, là, la contre-attaque de chez Atta. Chez Atta, Nkoussou pour Créen. Créen. Oula, s'est fait tacler durement. Mais ça va, il court, il galope encore. Le long ballon, c'est pour chez Atta. Chez Atta, et non, c'est à côté. Première action, on peut dire, hein, pour Trélizac. C'était leur première action. Bon, mi-temps sur ce score de 2 à 0. Hein. On va faire sortir Créen, hein, pas non plus trop poussé. Voilà, Vincent va prendre le relais. Voilà, consigne particulière. Bah tiens, chacun son tour. Hop, voilà. On va. Voilà, sans rien ajouter. Bon, on va quand même féliciter la défense pour l'instant. Voilà, c'est du bon boulot. On y va. Allez, deuxième mi-temps. On va essayer de garder ce score ou même peut-être de passer à 3-0. Hein, qui sait? Ah, peut-être quand même s'assurer le coup d'éviter de, voilà, de jouer à l'argent. On va arrêter de jouer à ça. Pour quand même commencer à s'assurer un peu le coup. Vous voyez, regardez, attention. Coulo, coulo pour. Et merde, et voilà. Et voilà. Le premier but. Attention. Attention, on a bien fait d'enlever le jeu hors-jeu. On va commencer peut-être à reculer un peu. On va se mettre en normal. On va peut-être même centrer un peu. Douglas! C'est pas fini. Doumbia. Doumbia. Fais attention à ne pas perdre le ballon. Voilà, Vasseur. Doumbia de nouveau. Pour Vasseur. Vasseur cherche une solution. Et la faute de Jimmy Bourgault. On va peut-être finir à 10 contre 10. Le tournant du match. Et oui, c'est le double jaune. Le deuxième jaune pour Jimmy Bourgault. Et c'est le rouge. On est à 10 contre 10 maintenant. On est à 10 contre 10. On est à égalité sur le terrain. Et oui, Nkoussou semble épuisé. Nkoussou, c'est vrai, il est fatigué. Mais le problème, c'est que bah, Jack Dunn, écoute, hein, tu fais ce que tu peux, bonhomme. Hein, tu voilà, hein, au pire, démerde-toi, hein, écoute, hein, fais ce que tu peux. Douglas, et non, c'est dans les bras du portier. Portels. Portets. Portets ou Portels? J'ai dû lire rapidement, donc peut-être que je me suis trompé. Allez, les dernières secondes, l'arbitre va siffler, la victoire, bien joué. On a gagné au départ à 10 contre 11, mais on a fini à 10 contre 10. Répondu au. Oh, quand même, quand même. On a, ouais, une belle victoire quand même, faut le dire. Voilà. On a gagné, c'est le plus important. Voilà, on a fait le perfect. 3 matchs, 3 victoires. Voilà, on a fait le boulot aujourd'hui, ça c'est bien. Boutantin suspendu. Avertissement. D'accord. Bon, c'est bien, les messages buggés. Non, mais c'est pas grave, ça sert à rien. Bah écoutez les amis, petit point classement. Du coup, on est 3e, donc avec 52 points, un point de retard sur les deux réserves de Rennes et de Paris, un peu d'avance sur les autres réserves, mais surtout on a une belle avance sur la réserve, sur US Granville. Du coup, pour l'instant, eh ben, on se faufile tranquillement vers l'accession en national, les amis. Hein. On va faire le doublé, peut-être bientôt, prochain épisode, la double accession en national. Du coup, prochain épisode, on va esquiver Vitré et la réserve de Guingamp, et on se fera les trois derniers matchs. Les trois derniers matchs pour la montée en national. Et bah les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commentaire, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description. À la prochaine pour un nouvel épisode de cette carrière, la Rolling Management. Sans oublier Instant Gaming et King, vous pouvez faire dans la description si vous voulez acheter le jeu, tout ça, tout ça. Et puis à la prochaine les amis, salut à tous, ciao.